Salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe. Alhamdoulilah, moi ça va. On est sous la protection divine. Qu'Allah veille sur tout en chacun, où que vous soyez, quoi que vous faisiez. Que Dieu nous protège, nous guide sur le droit chemin. Amen. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère Kingaji 224 Toto Fou. C'est ici et nulle part ailleurs. Encore une fois aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette vidéo, nous allons casser les papots. Nous allons nous dire des vérités. Nous allons vraiment tout mettre en œuvre pour réveiller la conscience de nos frères et sœurs guinéens, qui aujourd'hui sont amadoués, qui aujourd'hui sont manipulés par un régime bandit, par un régime qui ne maîtrise pas la Guinée, qui ne connaît pas la Guinée et qui n'a aucune pitié de cette population. Oui, pourquoi? Vous êtes en train de voir des photos. Vous êtes en train de voir des photos. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, il y a eu cette rumeur de base militaire française en Guinée. Suite à un voyage que l'actuel ministre de la Défense, Idi Amin, a effectué en France et il a tenu des réunions. Après son retour en Guinée, l'affaire prendra de l'ampleur. La presse va même relayer une partie et pour démentir ces rumeurs, le ministre en personne, Idi Amin, oui, va faire une conférence de presse ou un communiqué où il va dire que c'est-à-dire que c'est de la spéculation, que c'est des gens qui ont tout simplement imaginé, voilà, l'histoire de base militaire en Guinée s'est rentrée sortie comme ça. Alors, le ministre partira à dire que il était parti sous l'invitation du ministère de la Défense, je ne sais pas quoi, d'un chef d'armée française qu'il avait invité. C'est pourquoi il était parti en France. Mais quelques mois plus tard, aujourd'hui, ces photos amateurs qui ne sont pas de bonne qualité, oui, à travers des sources, selon ces sources, il y a actuellement des Français, je dis bien, des Français qui seraient en grand nombre, en très grand nombre, comme vous voyez sur cette photo, qui sont partis en Guinée, qui sont actuellement dans les villages, en train de repérer les terrains et sous prétexte que c'est des touristes, qui sont partis pour faire du tourisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme ils arrivent dans les villages, les villages où ces photos ont été prises, ou d'autres sources même qui m'avaient contacté il y a plus d'un mois pour me parler que, bon, on a vu des Français qui sont venus repérer des terrains, ils disent qu'ils sont venus en tourisme, mais j'avais vu des tenues militaires avec eux dans leur bagage. Alors, posez-vous la question, l'on va se demander qu'est-ce que les militaires français vont aller faire du tourisme chez nous en Guinée. Pourquoi? C'est très grave. Parce que tout simplement, si cette rumeur ou si ces sources sont réellement vraies, que c'est des militaires français en territoire guinéen actuellement, pour la simple et unique raison d'installer, oui, une alliance, une base militaire française, parce que la France est en train de perdre ses intérêts en Afrique. La France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, avec cette bataille très rude entre la France et la Russie. Qu'est-ce que la France va ne pas tenter pour être dans la Guinée, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous comprenez?
Donc il faut que qu'on se réveille, Guinéens. Il faut qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, qu'on observe. La coopération avec la France, avec l'armée française, ce n'est nullement autre chose que de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est nullement autre chose que créer des problèmes aux Guinéens. Sacrifier les gens pour dire que ah, il faut que c'est les militaires qui restent au pouvoir parce que le pays n'est pas stable. Nous voyons nos pays frères, tels que le Burkina, tels que le Mali. Jusqu'à présent, à cause de ces problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Que Dieu épargne la Guinée de cela. Toute personne qui a des idées malsaines pour faire cela dans notre pays, la Guinée, que Dieu fasse que vous échouez. Maman dit, tu vas échouer. Il dit, Amine, vous allez échouer. Amara, vous allez échouer. Obéi, échouer, Mané. Oh. Donc, pardon, il faut qu'on s'ouvre, qu'on ouvre les yeux, qu'on observe ces touristes-là. Ils sont venus pourquoi? Ces militaires-là, ils sont venus pourquoi? C'est vraiment très triste pour le peuple guinéen aujourd'hui. Qu'avons-nous fait? Nous qui avons demandé combien de temps pour que Dieu nous envoie un homme pour sortir ce pays de l'ordinaire. Dieu nous a envoyé un assassin. Un assassin. Parce que Mamadi n'a ni sentiment, ni remords, ni pitié. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. Tout ce qui l'intéresse, c'est de réaliser ses rêves. Faire tout ce qu'il veut. Massacrer qui il veut. Il n'y a pas longtemps, des enfants qui l'adulent, qui le respectent, qui l'obéit pour la simple et unique raison, ces enfants leur ont dit la vérité. Ce n'est pas ce qu'on a dit au peuple au départ. Ce n'est pas ce que nous avions dit au départ. Aussi simple que ça. Ils tuent les enfants. Parce que les enfants ont dit, ce n'est pas ce que nous avions dit au peuple au départ. Respectons notre parole. Pareil, il faut respecter ta parole. Pour la simple et unique raison, les enfants lui disent la vérité. Ils tuent les enfants. Oui. Est-ce que lui, il va, c'est-à-dire organiser les élections et quitter? Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on s'unisse ensemble pour aller, pour sauver ce pays. Sinon, wallah billah, je ne vois pas mon pays. Donc, wo photo il est au fait dit photo il français n'a rien à faire au moins la Guinée il est là bébé et bébé barafa au moins français. Ministre Idi Amin Kounkare, à ce gars-là, il y a un bourreau bien, c'est France. À tous ces gars, France. À nous, France, Mengue, il y a un ressort, Mengue. Et là, la coopération là-bas, on a un malangoune. Et tout le monde là-bas, et tout le monde là-bas, on a une réunion. Après, rumeur, on a un mérite la Guinée, à Français, va faire, et à base de rodé au coin. Mais on a un Moussa Faraba, n'a fait tout le monde à Soto. Idi Amin n'a pas été en train de se point de presse là-bas, en communiqué là-bas, à où les gens français à base nous va faire de rôder la Guinée. Wapolo, Obiri Nara Mene, mais Nana Kui, dit qu'il y a des grands bisonnants. Vos photos et les rétrofés, la Guinée, il est français, bébé, barassé de la Guinée, et c'est dans le tourisme. Maintenant, Mirine Réfar dit photo et là. Na mirin de ya manu na kamina re di français to bara siga ye ne ha dugue masara fe a fa sori do meto ye ya a sori do meto ye ya na a pe france sori tellement france a fa touriste ya raba la guinée maintenant neto yire ma photo fe et na ma repérage et ce gafé ne yire repéré den ne ne kené son e fa la ma mérine et ne wona o ma base do ma bene mais ce que j'ai pas dit en français. Ils sont actuellement en Moyenne-Guinée. Ils étaient en Moyenne-Guinée. La semaine, le mois et les semaines passées, ils étaient en Moyenne-Guinée. Donc, ils bougent. Donc, et nous, en Moyenne-Guinée, ils crient dans les Rambéra. Mais à Louri, à l'Ouama de Rofé Menine, dans la probabilité, ils veulent installer ça en Moyenne-Guinée. Est-ce que vous comprenez? Ou Fouta? Donc,
wonga kolom mama di mu fa won tangambe mama di ko pere fe na mu français al kolom mama di na ga mo ba de mende ya ka français fa ye na ga do won khoni won malin tori bo esa muna won burkina tori bo esa muna français mu fe na ga do won khoni wallahi billahi on na tore na kampi na tore na man siga man multiplier la a français la base parce que wonu ma konto fili na kui wonu hammeri kui wonu fe bete kui na hamma daru ma election be na kui sono e fala mané wonu na ma election organisée parce que mere farafé fo nga katana farafé na kada sidi na farafé da ma temu mundu di problème na kan na maliki disa kele mali na nyeriya est-ce que avara da français ama araba adangri nyeyo nye temu yo temu menge masara ya mali mais est-ce que na fe dank burkina fa mato wona fa mato donc wona won yarabi wona won mera so ngoroyi wona fala ade mamadina kan na ba fe la guinée be la guinée ra ana kan na ba fe la guinée dira ana kan na ba fe la guinée di bori di la guinée bori ma wo ma bori ayete kanga intere na ayete kan nan katafi ana ra groupe mama di mi yora mara fay ma be mi yo kin kin ni mama mi yora ha meri mama mama di do ki ba ina ra kui na ha meri na ma ayete kan no ha fami na ha meri nan to aba donc wo mbiri na keri wo mo mbere ga so wo nguru yi wo nga mo nyarabi wo nga fala yebe ade haife sa so wo nta mboni wo ntoro manede Un toro madede, un ka wunjarabi, ala noa kakhera kafira. Yandi ala be, unga karam, unga dua wetongo, unga fatih karam. Je vais interpeller les sages religieuses, comme toujours la Guinée, de lire le Saint-Coran, de sacher les esprits sataniques, les chefs sataniques, les présidents sataniques, les ministres sataniques de notre pays. Tous ceux qui veulent s'éterniser, rester dans nos pays à cause de leurs petits intérêts égoïstes. Aujourd'hui, la Guinée et les Guinéens souffrent. On ne peut même pas qualifier cela. On ne peut même pas le décrire. Tellement que la souffrance est arrivée à un niveau que personne ne peut le décrire. Tellement que c'est fort. Yo. Donc, on a kala, on a keli, on a une vidéo partagée. Mais il reste un carré oui. Bingato, on forte to wani. Wasi ga we ma wani we suhu. Wone ga mumu ma sore homa pe. Mumu ma sore to fe pe. En po en pa. Donc nana nara, an wen tongo, nada mameni ne. C'était votre frère, Kingaji 224, tout fort. Bonsoir chez vous.